Bonjour tout le monde. Bonjour. On vous souhaite la bienvenue. Vous entrez. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, monsieur le président de la fédération, Sandy, même si tu représentes le club aujourd'hui, tu es quand même la présidente du collège des officiers. Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les pilotes qui sont présents, c'est toujours un plaisir et un honneur pour la FMMSM de retrouver la presse pour la présentation du rallye total. Pour ma part, ayant la lourde charge de présider notre club, je commencerai mon discours, comme le directeur général de Total Madagascar l'a fait tout à l'heure, par un hommage à deux grands passionnés de notre sport. Deux membres de notre club qui étaient présents dans cette salle lors de la présentation du rallye total 7e du nom, l'année dernière donc, sont partis pour un monde meilleur. Eric Lesortier et Franz Rosenfeld-Boom, respectivement président et vice-président du club. Certes, nous ressentons un grand vide laissé passer de grands noms du sport automobile, mais nous vous assurons que cette année même, alors que le club FMMSM fête ses 45 années d'existence, guidés par l'héritage que les aînés nous ont légué, les membres du club, sans exception, se sont donné la main pour aller de l'avant dans la réalisation de ce que nous appelons depuis des années un rallye comme on les aime. La 8e édition du rallye total ouvrira, comme l'année dernière, la saison et sera programmée le 16, 17 et 18 mai. La pérennité de cette compétition est le fruit d'un système de partenariat win-win et de confiance mutuelle entre Total Madagascar et notre club. Pour cela, nous ne cesserons d'exprimer notre profonde reconnaissance à toute l'équipe de Total Madagascar et surtout à l'endroit de son directeur général pour son indéfectible soutien à notre rallye. À chaque édition, la FMMSM fait de son mieux pour améliorer son organisation et rendre chaque épreuve la plus aboutie possible. Que ce soit au niveau technique, au niveau nouveauté, communication, mais surtout en termes de sécurité. Notre ligne directrice est également de permettre aux concurrents d'avoir le temps matériel nécessaire pour effectuer dans les meilleures conditions leur reconnaissance de parcours, mais aussi donner au public la possibilité de voir plusieurs épreuves spéciales dans une seule journée. Dans cette optique, des endroits pour les spectateurs ont été identifiés par l'équipe d'organisation. Comme l'année précédente, cette édition 2014 maintiendra le coefficient le plus élevé possible pour un rallye national, à savoir le coefficient 1-6, avec plus de 180 km d'épreuves spéciales. Le tracé général se résume en une boucle de 7 épreuves spéciales à effectuer deux fois. Un rallye tout en rythme, avec 14 épreuves spéciales à effectuer sur près de 44% du parcours. Côté nouveauté, cette année, la FMMSM apporte un changement sur le choix de l'axe du rallye. En effet, si le championnat de Madagascar se concentrait plutôt sur la route nationale 2 depuis quelques années, cette fois-ci, le focus sera la route nationale numéro 1. On vous présentera en détail le parcours avec l'itinéraire que vous trouverez en annexe. Pour le PC donc, nous revenons sur le terre-plein d'Andoutapenac. Cette année, nous bénéficierons de toute la partie extérieure du stade Maki grâce à l'aimable autorisation de la Fédération malgache du rugby, propriétaire des lieux. Ces infrastructures rehausseront incontestablement notre logistique d'accueil. Notre objectif reste le même, à savoir réaliser une épreuve qui plaît
aussi bien aux pilotes qu'au public. Selon notre slogan, dont on ne se lasse pas de le dire, un rallye comme on les aime. Nous comptons bien entendu sur l'indispensable concours des médias et des journalistes pour couvrir cette manifestation et lui donner l'ampleur qu'elle mérite. Votre collaboration nous est indispensable pour faire avancer notre discipline et renforcer la confiance de nos sponsors et partenaires. Ainsi, au nom de tous les membres de la FMLSA, je vous remercie.